Eurogerm est une société internationale basée à Dijon, d'environ 700 collaborateurs et déployée sur 15 filiales en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique. On conçoit et on fabrique des ingrédients céréaliers pour la filière blé, farine, pain, pâtisserie. En 2021, nous sommes dans un New Deal, un nouveau projet avec une ambition forte et des nouveaux moyens. Des moyens à la fois financiers, nous construisons une nouvelle usine de biofermentation, et à la fois des moyens humains sur la culture, le talent, le leadership, la démarche RSE. La stratégie RSE, elle l'infuse dans tous les métiers d'Eurogerm, avec une vision bien évidemment très systémique et holistique. Systémique, on est dans un écosystème et l'objectif est vraiment de tenir compte du territoire, de la région, du pays, de la culture, de l'environnement et de la biodiversité, et à la fois une vision très holistique, beaucoup d'échanges avec nos parties prenantes, nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs. L'objectif étant de développer l'économie tout en préservant le capital naturel et en valorisant le capital humain. En mars dernier, nous avons fait un événement autour de la Journée internationale du droit des femmes, sur une semaine, des quiz, des newsletters, des sensibilisations auprès des équipes. L'objectif, bien évidemment, c'est d'expliquer le plafond de verre, l'inclusion des femmes, les comportements sexistes, ouvrir le dialogue, à travailler ça tout au long de l'année. C'est en parfait alignement par rapport à nos valeurs DEI, diversité, équité et inclusion. Ma région, avancée, partagée.